salut à tous, nous sommes à Paris, au Parc des Princes. Et pour vous faire vivre ce match, évidemment, il y a Omar Da Fonseca à mes côtés, qui est toujours fidèle au poste. Depuis ce matin, on est impatient, on a envie de voir ce duel débuter enfin. Et c'est une ambiance de grande fête, beaucoup d'émotions en prévision. Le football, c'est ça qui nous rassemble, l'amour, la grâce, la fusion. Dilatez vos chakras. Et le ballon en profondeur de Messi. Eh oui, hors jeu, c'était un peu trop beau ce ballon dans le dos de la défense comme ça. Petit excès d'anticipation dans l'appel des balles. Il faut oser, mais il faut doser aussi. Eh oui, le bon réflexe. Et ça joue dans un petit périmètre. Aïe, 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 le ballon complètement dévissé. Ça passe très loin du cadre. À ce niveau, c'est tout de même étonnant de voir ce genre de raté. Verratti. Le ballon pour Neymar. Avec Kylian Mbappé. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Et Coman reçoit le ballon. Ah, c'est une interception réussie en pleine surface. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Mais que s'est-il passé sur cette action? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer, ça sera déjà un bon début. Marquinhos. Léo Messi. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Attention à la frappe. Au sauvetage de Maignan. Kingsley Coman sur le côté. Il a du champ. Kingsley Coman vers le cœur du jeu. Antoine Griezmann à la réception. Oh, voilà, 1-0 déjà. Ça ne traîne pas. Un but très vite dans cette rencontre. Quelle belle manière de débuter ce duel. C'est reparti dans cette rencontre. Paris est mené d'un but. Et voilà, la transversale pour faire bouger un petit peu le bloc adverse. Oui, la belle incursion là. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Ah, il peut avancer la Kingsley Coman dans le couloir. Ah, Coman, il peut frapper. Voilà, oh là là là, il y a à peine le temps de se remettre. Et un nouveau but qui vient creuser l'écart. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et pour finir le duel à 2 contre 1, évidemment, pour le gardien, c'est impossible de le gagner. Fabian Ruiz. Messi. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, le contre ne donne rien, le ballon est perdu. Hakimi. Hakimi. Mbappé. Oh, attention à ce ballon. Le poteau, la balle revient en jeu. Perte de balle très dangereuse, attention. Intervention du gardien. Le corner. Avec Kingsley Coman. Et ça peut être dangereux. Et c'est le but. L'écart maintenant est encore plus important. 3 buts d'avance. Et avec ce but inscrit, ça ne fera plus à rien aux tableaux d'affichage. Hakimi. Ah, c'est pour Lionel Messi. À nouveau pour Hakimi. Ah, super anticipation, la passe est parfaitement coupée.
Kylian Mbappé. Avec interception et le ballon est récupéré. Fabien Ruiz. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Et une bonne contre-attaque peut-être. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ouais, bien joué. La passe pour créer le danger. Et le gardien qui écarte bien le danger. Léo Messi. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Mbappé la frappe. Elle frappe contrée sans souci. Avec Kylian Mbappé. Oh, ça va au fond, but! Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Avec Kingsley Coman. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Petite astuce, c'est jouer court. Rabiot. Le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance, c'est inespéré. Pas grand chose de positif ici. Beaucoup trop de suffisance dans cette action. Voilà, c'est maintenant officiel. On jouera une minute de temps additionnel. Et voilà le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donné à l'instant. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Kimpembe. Le ballon pour Neymar. Ballon qui est sorti, remise en jeu pour le Paris Saint-Germain. Le PSG qui va faire un changement. Léo Messi. Et oui, le but. Ils sont en train de le faire. Encore un. Et c'est l'égalisation. Et le jeu reprend. Le PSG a rattrapé une partie de son retard, mais il faut encore un but pour égaliser.
le ballon pour Kylian Mbappé. Et le ballon piqué. Oh oui, le merveilleux coup de patte. C'est vraiment du grand art. C'est un but pour la France. Avec beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Kylian Mbappé. Une reprise de ballon de Kylian Mbappé. Et ça presse sur Kimpembe. Neymar. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé. Coup franc à venir, évidemment. Et peut-être un avertissement aussi. C'est un carton jaune, là, pour Upamecano. Il a confondu enthousiasme et agressivité. Attention, ils peuvent revenir peut-être. Et oui, but! Le but du doublé, quelle performance! Avec l'instinct du buteur, la finition diabolique. C'est ça, la signature d'un super joueur. Ah, nous sommes gâtés, le score est maintenant de 4-3. Fabien Ruiz. Et la passe pour Verratti. Attention, voilà un bon duel. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel! Quelle grande classe! Quel talent! Du jeu, des buts, des tribunes en folie, les deux équipes nous offrent un grand match. Cette rencontre va marquer les esprits. Et ça joue vers Achraf Hakimi, le centre dans la boîte. Non, dégagement manqué et attention, peut-être une nouvelle occasion. Ah, et donc l'action s'arrête là. Oui, la belle incursion là. Grosse occasion là, ballon piqué pour surprendre le gardien et la conclusion avec ce beau geste technique qui échappe de peu au cadre. C'était le geste à réaliser, malheureusement la frappe est légèrement trop appuyée, ça sort. Léo Messi. Le ballon pour Hakimi, ah oui, l'excellent ballon. Voilà la bombe passo, incroyable, fou. Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante. Et on assiste vraiment à un match historique, plein de buts, 5-4 au tableau d'affichage. Kylian Mbappé. Et ça joue sur Marcus Thuram. Avantage laissé à Paris après cette faute. Ouais, c'est très bien défendu. Avec Kylian Mbappé. Et c'est pour Kolo Muani. Et c'est donc une touche. Ouais, ce carton correspond à une faute commise au début de l'action. C'est bien arbitré. Oh, l'égalisation peut-être. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Kylian Mbappé a une bonne contre-attaque peut-être. À la conclusion peut-être sur ce ballon. Quel geste! Et ça joue avec Messi. Oh là là, pénalty! L'arbitre qui signale le point de pénalty. Ah, déjà que ça se passait pas très bien dans ce match. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Ouais, c'est dedans, pénalty parfaitement exécuté. Oui, le plongeon était plutôt bien réussi. On a vu une grande tonicité pour pousser le plus fort possible. Et finalement, le ballon part en lucarne. Et ça, c'est tout simplement un ballon. 4 au tableau d'affichage, c'est un match d'une autre dimension. Et ça joue sur Kolo Muani.
et le tir, attention, et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. C'est joué court. Le ballon pour Youssouf Fofana. Et le gardien qui écarte bien le danger. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Camavinga reçoit le ballon. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Marcus Thuram avec le ballon. Et c'est capté sans problème par Donnarumma. C'est bientôt la fin de cette rencontre et évidemment, personne n'a envie que ce match s'arrête ici parce que le public a été comblé par son équipe. Créativement, Paris est vraiment magique aujourd'hui. On a vu des beaux gestes individuels, mais aussi des mouvements collectifs, des combinaisons, des associations. Tout était parfait. Perte de balle très dangereuse, attention. Mbappé pour le centre. Et le ballon bien claqué.